Maybe ça marche parce que.
Ouais, ben moi, je vais. C'est possible, un peu encore par là-bas. Ouais, aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous, aimez-vous. On vient d'ici. Un petit regard par ici, s'il vous plaît. On va décorer quand on parle de ça. C'est mon fils. Faites attention. Est-ce que tout le monde est là? Pour passe-partout, mais tout, oui. Non, je suis à hauteur là, c'est bon. On y va, il part ici s'il vous plaît. Il est là, encore une ici. Ouais, on va aller ici, mon flash est au fort. On va essayer ici. On essaie ici. Ça a été quelque chose de juste un peu tout doux. Là, c'est tout le monde. Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci énormément de vous être déplacés. Il fait moins 40 dehors, il fait plus 40 en dedans. L'équipe de Passe-Partout nous réchauffe le cœur ce soir et c'est vraiment un immense plaisir de l'avoir comme muse, d'avoir été la muse de plusieurs artistes, de 15 artistes en exposition actuellement. Et Annie-Claudine qui nous offre les petites toiles aussi derrière et nos talentueux artistes peintres qui peignent en direct sont bien concentrés en ce moment là. Tantôt, on va avoir un encan à main levée pour faire vivre l'expérience. Et moi, c'est Caroline Saint-Louis, la productrice du spectacle. Ça fait maintenant 6 mois qu'on travaille, que je travaille sur le spectacle. Merci. 2 mois temps plein, beaucoup de travail, mais ça valait tellement la peine. Passe-partout, évidemment. Pourquoi? Écoutez, ça a tellement été une icône dans notre jeunesse. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'ils ont créé une génération qui se tient debout, qui est fière, qui a une création, un imaginaire incroyable. Et vraiment, de voir aller toute cette génération-là, on a un petit passe-partout bien collé dans notre cœur qui nous fait grandir et être des bons citoyens, des bonnes personnes à tous les jours. Et évidemment, on a aujourd'hui Marie-Ekel. Ici, merci beaucoup Marie. Merci infiniment. Je pense que je vais la voler tantôt à la fin du spectacle pour un petit mot si elle veut bien. Jacques Lheureux, où est Jacques? Allô? Inspiration, un modèle masculin pour beaucoup de jeunes filles qui nous a amené l'électricité.
C'est une chance qu'Hydro-Québec fonctionne à pleine vapeur ce soir pour nous garder au chaud. Et c'est grâce à ces deux-là, d'ailleurs, que tout a commencé. Quand je les ai contactés, ils ont tout de suite accepté cette folie-là d'être notre muse. Alors, encore une fois, merci. Et on a également Bruno, Myriel Lachance, qui est juste ici. Qui a fait énormément pour nous. Bruno, écoutez Bruno, sans commentaire, ça a été notre petit frère. Il s'est fait maltraiter des fois par Canil. On l'aimait beaucoup. Ah, il était beau, il était adorable. Il y a également Perlin. Monsieur Maltais, où est-il? Que j'ai regardé les émissions, évidemment, pour faire l'exercice d'analyse, pour préparer le spectacle. Et Perlin, il y avait de la sévérité. C'était un monsieur qui s'occupait bien de bien faire grandir ses enfants. Une belle image paternelle. Alors, merci énormément d'être ici avec nous ce soir. Alors, le concept du spectacle, en fait, c'est simple. C'est un spectacle de peinture. C'est un peu innovateur, si on veut, dans le concept. Le but, c'est vraiment de faire sortir le public qui ne va pas nécessairement dans les galeries ou les musées, de les amener dans un endroit confortable, une salle de spectacle, et pour éventuellement les amener dans les galeries. Les artistes peintres, oui, ont besoin de subventions, je ne pourrais pas dire le contraire, mais ils ont surtout besoin d'acheteurs. C'est des gens passionnés, autant au niveau de la science, on a des gens passionnés qui font avancer notre culture, notre société, mais eux aussi, et dans tous les domaines. Alors, c'est vraiment pour eux qu'on le fait ce soir. Les œuvres ont vraiment une vision adulte, on leur a donné carte blanche. On a certains artistes à peindre qui voulaient absolument avoir une œuvre spécifique. Je pense entre autres à Passe-Montagne, à La Cazou. Il y en a d'autres que ça a été un brainstorming parce que c'est tellement vaste l'imaginaire de Passe-Partout. Puis il y en a d'autres comme Vince, il fallait absolument que Vince fasse petit brin. C'était vraiment son style. Alors le but premier, c'était de garder leur style, de vous montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Alors justement, je vais vous présenter très rapidement parce que bon, je ne veux pas être devant sur la scène toute la soirée. Je vais vous présenter rapidement où est-ce qu'ils sont rendus. Sophie Wilkins, qui nous offre Biscuit derrière, c'est une artiste peintre, muraliste et illustratrice. Elle vit de son art depuis maintenant 10 ans et elle est très active sur la scène montréalaise. Ses toiles sont vraiment belles. Biscuit. Marie-Ève Proto. Qui a fait Madame Coucou. C'est une artiste peintre multidisciplinaire depuis 10 ans. Elle a entre autres exposé au Japon et à New York. Annie-Claudine Tremblay, qui est juste derrière avec ses petites toiles, vient de remporter le prix du meilleur mémoire de maîtrise 2011-2012 en théologie pratique à l'Université de Montréal. Bravo! Bravo! Et elle est en préparation d'une exposition de théologie trash sur le vrai visage de Jésus. Alors, ça va être très intéressant. Pascal Normand, ce qui n'est pas un peintre, lui, c'est un photographe. On a deux petits spécimens ici, mais je ne peux pas, je fais seulement que je les ai dans l'exposition. Il vit de son art depuis un an et demi, puis il participera en février au Artist Project de Toronto, un événement international regroupant 200 artistes sélectionnés par jury. Éric Robillard, notre deuxième spécimen, oui, Éric, juste derrière. Éric, c'est le seul, c'est aussi l'artiste graphiste, c'est lui derrière toutes nos publicités. C'est aussi lui derrière l'affiche du film Starbucks. Donc, il est rendu aux États-Unis, le monsieur. Et il propose au printemps son tout premier expo en tant qu'artiste graphiste. Et je peux vous assurer que ça va être très intéressant. Pascal Cormier, notre artiste acadien qui peint, qui est encore une fois très concentré. Pascal, il vit de son art depuis 3 ans, puis il est arrivé à Montréal l'année passée pour élargir ses horizons. Alors, bienvenue à Montréal, Pascal, t'es plus que le bienvenu. Ouais. Ouais.
Je vais pas dire non parce que j'ai resté 5 ans en Acadie. Ça a été même ma thèse de maîtrise en histoire, l'histoire acadienne. Donc, écoute, ça fait partie de ma famille. Sandra Chevrier, active à Montréal, très active à Montréal. Elle expose dans une galerie de San Francisco en février. Bravo. Bravo, Sandra. Et comme Mademoiselle est très productive, elle sera aussi à la galerie 203 dans Vieux-Montréal en février. Kim Durocher, qui nous a offert la toile à publiciser, qui était partout dans les médias cette semaine, alors Cannelle et Pruneau. C'est la nouvelle maman d'un petit bébé d'à peine 8 mois. Alors, le petit bébé se promène à quelque part dans le futur peintre, peut-être. Et elle est artiste à peindre depuis 5 ans. Vince, qui nous a offert Tibrin. Il participe aussi, comme avec Pascal, à Toronto pour le Artist Project. Et il est représenté par des galeries à Miami et à Shanghai. Et il a exposé à Melbourne, Amsterdam, Paris, Istanbul, New York, etc. Alors, bravo Vince pour tous tes exploits. Edith Lebeau qui nous a offert Pascaro, avec il y a un chat sur le gâteau, très représentatif du jeu... Trouvera pas. S'illustre fréquemment dans les galeries de Californie, dont Los Angeles et San Francisco depuis 4 ans. Donc, c'est notre fière représentante, maintenant avec Sandra aussi, en Californie, qui est une place très, très active dans ce type d'art-là. Donc, j'espère que le jour Montréal va être aussi important à travers le monde. Il l'est déjà, mais je veux dire qu'il va être reconnu également dans ce type d'art-là. Renaud Hébert qui nous a offert ici l'œuvre de mes vêtements. Mon tiroir est plein de vêtements. Renaud Hébert, c'est vraiment intéressant parce qu'il a vraiment opté pour l'optique des artistes qui se changent tout le temps, qui sont toujours dans les studios. Donc, leurs vêtements les tiroirs sont pleins de leurs vêtements aussi. Renaud est entre autres le directeur artistique de l'émission Le Freak Show. Donc, si vous pensez que c'était Flyer, c'est à cause de lui. Animé par Marc Labrèche à l'époque. Il est très actif sur la scène montréalaise et il a 20 ans de métier en tant qu'artiste. Puis, il nous propose bientôt une exposition de très grand format. On parle de 10 pieds, 12 pieds. Donc, ça va être quelque chose à voir. Mélanie Fay, qui a fait... Alakazou qui rêve d'être une star hollywoodienne avec ses lunettes, son collier en or, a exposé en Belgique et continue à explorer le continent européen pour de futurs projets. Elle s'illustre sur la scène montréalaise depuis 4 ans et elle a une exposition dans son atelier le 9 février, une exposition rétrospective. Adèle, grand-mère. Qui a fait grand-mère ce soir. Elle expose dans les galeries de New York et de Miami, développe actuellement son marché au Brésil, alors je te souhaite la meilleure des chances. Elle est représentée par une agence new-yorkaise et vit de son art depuis maintenant 7 ans. Alors, on est presque fini. Philippe Morbidic-Mayer, notre peintre ici. Bonjour Philippe. Artiste professionnel depuis 1998 et il est très actif aussi sur la scène montréalaise. Nadine 5 mars, Nadine qui nous a offert Passe-Montagne. Elle se consacre à son art depuis maintenant 2 ans. Très intéressant. C'est une artiste à découvrir qui grandit maintenant avec dans le milieu. François Escalmel qui nous a offert Passe-Partout, qui nous a offert une œuvre très intéressante qui sort complètement de son œuvre. Mais moi, j'adore la manière qu'il amène ses œuvres. Illustrateur dans le monde de la publicité et d'édition. C'est lui d'ailleurs la pochette de La Comète. Des colocs, c'est lui qui a fait la pochette. Ces toiles ont été exposées au Musée d'art contemporain de Toronto et de Rome, quand même. Et il a également exposé dans plusieurs galeries à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, au Danemark et en France. François, merci de nous représenter, toi aussi, à l'étranger. Frédéric Ouellette. Alors, vous avez sûrement remarqué la toile « Ils sont quatre qui voulaient se battre ». Très 2012, c'est très intéressant parce que c'est aussi un peu ça, Passe-Partout, qui nous a montré à se tenir debout puis à être fiers de nos valeurs québécoises. Alors, Frédéric est très actif sur la scène montréalaise. Il est le chef peintre pour de nombreux décors dans les théâtres montréalais d'opéras locaux et internationaux. Donc, Jacques, tu as sûrement dû, Myriel aussi, voir ses chefs-d'œuvre au théâtre. Et enfin, Dominique Desbiens,
un autre concentré à son œuvre. A fondé en 93 la maison d'édition Améris, qui est le magazine spécialisé en bande dessinée Exil, une aventure qui aura duré 10 ans. Et il est bédéiste, illustrateur, puis maintenant peintre et muraliste depuis 15 ans et est très actif à Montréal. Alors, maintenant, je vais vous introduire à Hugo. Où est Hugo? Ah, bonjour Hugo, viens me voir. Hugo, est-ce que vous connaissez Capitaine Montréal sur YouTube? Oui. Oui, il y en a qui connaissent. Alors moi, j'ai découvert Hugo ce printemps. J'ai adoré. Il analyse. Moi, je l'appelle mon spécialiste. Il préfère une thèse sur Passepartout. C'est lui l'homme de la situation. Parce que il a passé à travers toutes les analyses des décors. Il a passé à travers les cinq saisons. Puis il a tout analysé. C'est plein de petites capsules de 5 minutes. Allez voir. C'est tordant. C'est vraiment génial. Alors, il vous a préparé un petit speech. Et sur ça, ben, je vous dis juste que n'oubliez pas qu'il y a un tirage à la fin de DVD grâce au site de Télé-Québec, la saison 4 et 5. Les autres, ben, il y en avait plus. Et tant mieux pour Passepartout. Et puis aux journalistes, merci infiniment. On a besoin de vous. Il y a beaucoup à offrir dans le milieu des arts visuels. Et merci énormément d'être venu vous déplacer ce soir. À moins 40. Merci Caroline de m'avoir invité. Bon, je ne serai pas très, très original en vous disant que Passepartout a beaucoup marqué mon enfance. Dans mon cas, par exemple, ça va pas mal plus loin que ça. Je vous dirais que Passepartout, ça a été la source de mon éducation extrascolaire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais des amis, quand j'étais tout petit cul, qui venaient me voir, puis des fois, ils me parlaient de choses que je connaissais pas, puis je me disais, pourquoi je connais pas ça? Ah ben oui, c'est parce qu'ils en parlaient pas dans Passepartout. C'est pour ça que je connaissais pas ça. Aussi, je m'identifiais beaucoup à la famille de Canel puis Pruneau. Bon, moi-même, j'étais un genre de petit Pruneau à lunettes. Mais mon père ressemblait, comme deux gouttes d'eau, à Perlin, avec la moustache et tout. Bon, à part pour une exception, par exemple, disons que mon père n'avait pas la voix de Robert Maltais et il n'a jamais réussi à nous en donner avec une berceuse. Toute mon enfance, en fait, que ça aille mal, que ça aille bien, j'avais toujours au moins une certitude, que j'allais retrouver mes personnages préférés après le souper, tous les soirs. Ce qui d'ailleurs m'amène à penser à un épisode, ça, un épisode où on voit Pruneau avec Mélodie qui se faisait garder par Guillemet, puis il essaie de regarder la télé après le souper. Mais ils n'ont pas le droit. Guillemet leur interdit, puis même que Pruneau appelle Perline, puis Perline a dit non, 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 tu vas te coucher, puis c'est fini. C'est drôle ça, parce que Passepartout jouait donc après le soir, donc il n'y avait pas le droit d'écouter Passepartout. Donc Pruneau n'a jamais pu écouter Passepartout, c'est jamais fait télé. Récemment, je me suis retapé les DVD, puis je me suis aperçu à quel point Montréal était vraiment bien représenté dans les DVD de la première saison. Que ce soit quand Fardoche vend ses légumes au marché Jean Talon, ou quand Passe-Montagne et André nettoient le parc La Fontaine ensemble, ou encore mieux que ça, Passe-Montagne se vante d'avoir plein de connaissances sur la statue de Chénier. Je ne sais pas si vous savez, mais la statue de Chénier est encore là, au même endroit où on la voit dans Passepartout. Par contre, le décor autour a vraiment beaucoup changé. La statue est rendue en plein milieu d'un chantier de construction. C'est le chantier du CHUM qui est rendu là. Vous voulez voir, au moins de René-Lévesque, au moins du café chinois. Donc, en terminant, je vous dirais que Passepartout était une si grande source de réconfort et de bonheur lorsqu'on était enfant qu'elle a grandement contribué à garder cet enfant-là bien vivant en dedans de chacun de nous. Et par le fait même, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants de nos jours, à être des meilleurs parents. Merci. Alors, on vous laisse maintenant avec Batabit. On va revenir plus tard avec l'encan crié et les tirages et tout ça. Et on vous amène vers Batabit maintenant, qui de la musique improvisée dirigée, seulement pour vous ce soir. Et si vous voyez Guillaume sauter partout, là, c'est lui le directeur artistique. Là. Ça vient tout de sa tête, cette histoire-là. Alors, pour vous, l'équipe de Passepartout, Passepartout, Pruneau, Perlin, puis Passe-Montagne, pour vous ce soir et pour tout le monde. Batabit! On prépare quelque chose. Dis qu'on fait un spectacle, dis-le! Hein? Mesdames et messieurs, on va faire un beau spectacle! Oui.
c'est la musique qui nous dit à toi et à moi si on court vite ou lentement. Thank you.
Blanche à la batterie. Marc Couturier ici, qui fait plein d'effets sonores. Alex Todier ici au vent. Toi, comment tu t'appelles? Il s'appelle Guillaume Soucy. Ah. Yes. Merci d'avoir parlé à l'ordre. Merci beaucoup. C'était Alex Daudier. Au source, au vent, etc. Marc, à l'ordinateur. Tu fais beau dans notre spectacle! Evelyne Lange, à la batterie. Amélie Prévost, ici, qui animait, qui s'appelle un merveilleux conte. Ainsi que moi-même, Guillaume Soucy, ici. Internet qui croit en nous depuis le début. Capcom, Estelle Richer Legault. Elle est où, Estelle? Estelle. Estelle a dû peut-être aller fumer dehors. Là. Elle a besoin d'un break. Écoutez, Estelle, elle a fait une job incroyable. Les médias en ont parlé pour leur visuel. Très, 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 très bonne job. Estelle, on y doit tout pour ça. Merci. Capcom. Capcom, madame et messieurs. Éric Robillard, à l'arrière, qui nous entend toute la publicité, le graphisme. J'espère que j'oublie Estella Roussa, le staff. Je sais que j'en oublie, il y a le tirage présentement, oui. Je sais que j'en oublie, mais merci à tout le monde. Jennifer du Conseil des artistes québécois, qui a fait tout le montage avec son équipe. Merci beaucoup. Et je le répète, c'est moins 40 dehors. Ça a été très, très, très généreux de votre part de venir sortir dans le froid. Même la fenêtre de salle de bain, il y avait ça de givre à matin. On vous revoit dans un prochain spectacle. On ne sait pas encore c'est quoi, mais on a hâte de vous le dévoiler. Alors, pas tout à la prochaine, il y a le tirage. Attendez une minute. Pas de loin, il En passant, on offre à... Ah, il y a Jacques Lheureux et je vais faire le tirage. Après ça, avoir un petit mot de Jacques Lheureux et de Marie-Éclaire, s'ils veulent bien nous dire un petit mot. On leur offre des magnifiques roses pour leur remercier pour toute notre
tout l'amour qu'on a pour eux. Alors, êtes-vous prêts? Vous avez oublié? Le 026. Ah non! Oui! Je suis désolée. 018. Une fois, deux fois, trois fois. On passe au prochain numéro. 029. Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Un prochain. Le zoo. 0-0-0. C'est rare qu'on a ces numéros-là. 0-0-0. En fait, c'est 30 000. 30 000, une fois, deux fois, trois fois, trop tard. 0-0-3. Ça va être la même qui a acheté pour 3 000. 30 000. 0-0-3, une fois, deux fois, trois fois. On passe au prochain numéro. Le 017. On a une gagnante. Ok, là on est proche tout le temps des zéros, là. On va aller en... Le 012. On a bien passé. 012. Une fois, deux fois, trois fois, on passe au prochain numéro. Le 036. Les effets spéciaux. Merci. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que Jean et Marie, vous voulez faire un petit mot? Un petit mot pour Cinette avant qu'on finisse la soirée. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci à Caroline qui a organisé un événement extraordinaire. Merci à chacun des artistes. Vous nous avez redonné ce que Passepartout vous a donné. Vous l'avez absorbé, puis vous l'avez redonné, vous l'avez recréé. Vous nous avez offert votre univers. Merci. Ça nous aide à trouver un sens à notre vie. Merci beaucoup. La preuve qu'on a marqué l'inconscient collectif, je pense. Parce qu'il y a vraiment des affaires très, très, très spéciales. Petit brin avec le tatou de Michel Deslauriers, là, ça c'est pas mal. Il y a des affaires vraiment flyées. C'est pour dire que votre imaginaire et votre... si on vous a inspiré, tant mieux. Mais moi, ce que je trouve, c'est que vous faites une maudite belle job. Félicitations. Puis je sais que les artistes peintres, c'est un métier vraiment pas évident, difficile, pas évident, quoi. Et puis j'admire énormément les gens qui font ce métier-là. Voilà. C'est pas pour mettre sur nos cercueils, pas encore. Hey, merci, bonne soirée. Amusez-vous et puis c'est vraiment très touchant ce que vous nous avez offert ce soir. Salut. Merci énormément à vous tous d'être venus ce soir, je me répète. Et je voulais vous dire, toutes les œuvres, les reproductions... Oh, allô? Ben merci aux musiciens! C'était extraordinaire, c'était original, c'était pétillant, c'était charmant. Merci beaucoup. On
mais tes chansons, une nouvelle soirée intime, j'aime ça comme ça. Écoutez, toutes les reproductions, les toiles vont être sur le site Planète Vergolière, vous avez eu un carton. Donc, propagez la bonne nouvelle, diffusez-la sur Facebook, il va y avoir dès demain ou après-demain des photos. Donc, très belle soirée. Bye tout le monde! Thank you.